Salut à tous, bienvenue sur Geek Gaming CH, AK, la Suisse Star Alliance, c'est Boomer qui vous parle, j'espère que vous êtes tous au top de votre forme, comme d'habitude Aujourd'hui, nous avons une petite vidéo, donc on est toujours sur la lignée de l'IAE de 1952. Le jour d'aujourd'hui, nous sommes le 22 novembre 2022, bien sûr, et aujourd'hui, donc c'est Anvil, et il nous présente un nouveau petit vaisseau. Donc plutôt cool, il existait déjà sous, sous des formes plus standards, on va dire, mais là... Nous avons un petit vaisseau ambulance, un petit vaisseau rescue, donc il s'appelle le C8, C8R, pardon, euh, j'imagine pour rescue tout simplement, avec plusieurs peintures. Donc il y a plusieurs, voilà, plusieurs peintures sont disponibles. Et là j'ai mis la peinture vraiment typée ambulance, typée euh, rescue, avec ces petites bandes jaunes et rouges. Donc c'est vraiment plutôt cool, je dois dire. On a aussi donc ces petits gyrophares, hein, ces lampes qui clignotent dessus. Là, on voit il y a une petite barre lumineuse là, comme une voiture de police ou plutôt une ambulance dans ce cas-là. Et on voit qu'aussi euh, dessous, il y a aussi des petites lumières qui clignotent. Donc franchement, c'est un petit vaisseau que j'adorais déjà. En général, je dirais c'est vraiment un vaisseau cool, surtout qu'il est fait pour le Carac, hein, donc le gros Anvil Carac. Il va parfaitement rentrer à l'intérieur. Il a été fait donc pour spécialement ce vaisseau. Maintenant, vous pourrez bien sûr l'utiliser dans n'importe quel autre vaisseau. C'est un vaisseau de taille XXS, donc il rentrera, on va dire, dans pratiquement tous les vaisseaux qui ont un hangar. Donc ça, c'est aussi bon à savoir d'avoir une petite ambulance comme ça, rapide et furtive et petite surtout, qui peut un peu s'infiltrer partout à bord de votre vaisseau. Donc c'est vraiment hyper cool. Et puis, donc, euh, hein, ça reste un picheuse, le C8R picheuse, du coup. Et puis, voilà. Sinon, pas grand chose de différent. Alors, on le verra à l'intérieur. C'est clair que c'est à l'intérieur que ça se passe. Mais euh, tout le reste, je dirais, est très similaire aux euh, autres modèles, donc au C8 et au C8X. Euh, il est juste un poil plus rapide, si j'ai bien lu dans le QA, euh, que les autres vaisseaux, euh, quand il s'agit d'aller en avant, justement, pour pouvoir amener votre patient le plus vite possible. Euh, en sécurité dans un hôpital ou dans un plus gros vaisseau pour le soigner correctement. Donc il faut savoir que le lit à l'intérieur est un lit de tir 3. Donc il ne vous permet pas de faire un point de respawn, malheureusement. Donc voilà, hein, ce serait trop facile sinon. Euh, mais donc c'est aussi bon à savoir. Donc ça permet de soigner des petits bobos, on va dire. Euh voilà, il faudra un lit de tir 1 hein, si vraiment vous voulez soigner complètement des gros bobos. Et voilà, donc on a l'intérieur ici, on voit que c'est très clean, hein, c'est très blanc, un petit côté hôpital. On a plusieurs petites choses ici, donc après ça, ça je ne sais pas si un jour ça deviendra euh, utilisable. Là, on a aussi des, des médicaments, alors, euh, on peut alors là, on peut ouvrir ça, je ne sais pas ce que c'est du coup, c'est le crew storage. Ok, donc ce n'est pas encore utilisable, visiblement. Patient storage. Donc là, c'est aussi... Euh, vous pouvez mettre les affaires du patient, du coup, si vous devez le déshabiller. Euh, voilà. Donc après, je ne sais pas si ici, au niveau du... Non, euh, on n'a pas, pas d'inventaire, je ne suis pas en online, du coup. Voilà, voilà. Et là, donc on a une espèce de lavabo avec de l'eau chaude et de l'eau froide. Et on a le petit frigo ici en dessous. Donc ça, ça va être très pratique. J'arrive à y accéder, bien sûr. Voilà, on ouvre. Donc là, vous avez des euh, metpen, vous avez des euh, petites barres de, de, de protéines, de l'eau, ce qui vous permet un peu de, de comment dire, de soigner votre patient avec déjà quelques petites choses préliminaires ici. On a quoi d'autre Il euh, y a quoi des adrénapen, donc adrénaline, hein, des choses comme ça. Donc ça, c'est toujours pratique. Voilà. Donc on referme. On a le lit ici. Hein, donc vous pouvez vous coucher dessus. Euh, sans problème, même vous mais le but c'est de soigner le patient mais vous pouvez vous soigner vous-même aussi bien sûr et là on a le petit assistant hein. voilà donc le patient care s'il y a quelqu'un sur le lit bien sûr et la régénération euh, ici pour le service médical voilà euh, ensuite euh, comme d'habitude hein, alors je crois que euh, non ça c'est pas, euh, on peut pas l'ouvrir celui-là est-ce que là on peut l'ouvrir non on ne dirait pas et celui-là on ne peut rien faire non plus. Voilà. Donc ça reste un très petit vaisseau. La vidéo du coup sera très courte. Voilà. On a ces petites portes aussi qui se ferment ici. C'est pas plus mal. Un peu, un peu opaque comme ça, comme dans les ambulances. On ne voit pas forcément euh, ce qui se passe à l'intérieur. Rester un peu, un peu d'intimité pour ces pauvres patients qui sont en train de se faire soigner. Donc voilà. Hein, depuis l'avant ici, c'est vraiment un vaisseau qui a de la gueule. Moi j'aime beaucoup la forme de ce vaisseau. Alors il est tout petit, mais, mais il est cool. Alors attendez, on va peut-être fermer. On va aller, on va juste décoller voir un peu ce que ça donne. En l'air, bien sûr. Voilà, on va se poser sur le siège. Et voilà. Normalement, nos moteurs sont allumés déjà. On peut décoller, ouais, effectivement. Voilà. Donc, je vous le disais, hein, les petites lampes dessous aussi qui clignotent. Vraiment plutôt cool. Alors, on va rentrer le train. Hop, les petites ailes qui se déplient. C'est vraiment un vaisseau top. Et puis, vraiment, en combinaison avec le carac, ça devient super intéressant. Voilà, très maniable, très euh, rapide. C'est vraiment un petit vaisseau cool. Alors écoutez, voilà les amis, c'est déjà à peu près tout. Hein. Il n'y a pas, pas grand chose à dire je dirais. Euh, c'est vraiment une belle petite surprise euh, qui est arrivée là pendant cette IAE de 1952 pour la journée de chez Anneville. Et puis, je vous invite à suivre la suite des événements, bien sûr. Hein, à voir, si vous voulez revoir aussi la vidéo d'introduction, je vous mets maintenant en lien, donc en haut, dans une petite étiquette, comme ça, en haut à droite. Vous pouvez cliquer dessus et voir le lancement de l'IAE de 1952. Et euh, il y aura d'autres événements hein, qui vont arriver aussi vers la fin, où euh, il y aura donc le Best In Show et compagnie. Donc vraiment, c'est toujours intéressant à regarder. Voilà. Les amis, et si bien sûr vous n'avez pas encore le jeu et ça vous intéresse, je vous invite à utiliser le code, donc le référal code qui est en haut à gauche de l'écran. Ou alors euh, à cliquer tout simplement sur le lien qui est dans la description de la vidéo. Ça vous amènera directement à la page de création du compte avec le code intégré. Vous n'avez plus qu'à mettre vos données. Et c'est fait et vous recevrez un petit cadeau de 5000 crédits à utiliser en jeu. Voilà les amis. En tout cas, merci d'avoir regardé jusque là. Euh, J'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à lâcher un pouce bleu, à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. En attendant, je vous dis à tout bientôt pour de nouvelles aventures. Allez, merci les gars. Bye bye. Boomer, out.